Hey oui, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, le casse Looping Show Game. Bref, welcome back. Aujourd'hui, on va se voir pour un petit trailer concernant le dernier, apparemment, le dernier DLC de Tekken 8. Et oui, je sais, il y a eu pas mal de nouveaux persos qui ont été ajoutés. Mais il y en a un tout particulièrement, comme vous avez pu le voir au titre, qui s'appelle Victor Chevalier, qui est français. Donc voilà, je me devais particulièrement de mettre l'accent sur cette vidéo parce qu'il est français et parce que le personnage aussi est intéressant. Vous allez voir par rapport à Raven et par rapport aussi à sa voix. On va voir ça en fin de vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à la voix du personnage. Donc c'est parti, on va se mater le dernier trailer, les amis. On va se regarder donc le dernier trailer de Tekken 8, le dernier DLC qui concerne Victor Chevalier. C'est parti et ça se passe sur Looping Show Game. Alors attendez, je vous balance ça, tac 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 tac, je me suis déjà calé les amis. Bam, on met ça en grand écran les amis, c'est parti. J'ai bien cuté le son. Vous allez avoir logiquement le son aussi du Game U. Vous allez voir, c'est un truc de fou malade. Voilà, c'est parti, on se mate le dernier trailer. Bon, bien sûr, toujours le sigle hein, de Namco Bandai hein, qui est mis en avant. Voilà, ça présente Namco Bandai, blablabla. Bref, vous connaissez toujours cette fameuse guerre hein, avec les deux familles qui s'affrontent. On connaît. C'est... Oh là là, regardez, on est dans... Ouais, le ray tracing, la tour Eiffel, et voilà, la classe française, avec le costard un peu à l'italienne, hein, bien sûr. Avec cette espèce d'épée futuriste, on dirait un gun, une épée, on sait pas trop. Enfin, plus une épée, je dirais. Épée laser, on sait pas. Bref, voilà, Victor Chevalier avec le flingue. Putain, c'est vraiment, il fait vraiment spy, hein, il fait vraiment espion, le gars. Voilà, Victor Chevalier, from France, Paris. Yes, et là, direct, Sachlas. Waouh, ah bah désolé, hein, c'est la connexion, là. Ça va venir. Oh là 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 là. Voilà, hop, donc ça, c'est comme un espèce d'overhead. Le petit combo, oh, il sort, ah ouais, il sort comme un couteau ou un... Ah ouais, il sort un couteau. Il a plein de combos, il est très nerveux, et vous allez voir, bon bref, c'est, je suis désolé, hein, ça cut un peu. Ah désolé, la qualité est partie, attendez, on va remettre en arrière, c'est trop sale là. Waouh. Voilà, là c'est plus propre. Voilà, boum, mise au sol, ok, donc déjà il a un coup qui met au sol, le coup overhead. Et là je sais pas pourquoi la qualité s'en va, bref, c'est pas très grave, c'est un peu flou, désolé. Hop, le contre. Oh, le combo, il disparaît. Donc il a des espèces de disparition un peu voilà, en mode ninja, des déplacements comme des slides très rapides. Le contre, le juggle. Attendez, on va remettre en arrière, c'est trop dégueu. Faut que la vidéo elle charge en fait. Je sais pas pourquoi c'est aussi sale. Voilà, le slash. Pam, et là ça devient flou. Petit combo. Disparition. Ok, ça on a capté. Waouh, magnifique. Et là vous avez vu comme il a fait comme un espèce de téléport. Après il a envoyé le coup. Encore une fois, le juggle, gros combo, mise au sol. Le contre. Là il a, on dirait qu'il est comme une espèce de mode rage. Ouais, là, le saut, oh, magnifique couche là, encore une fois, telle belle finition. Et là, qui est-ce qui débarque? Apparemment, ce serait son ennemi ou son élève, voilà, Raven. Donc les deux, en gros, c'est un peu le grand-père ninja français, quoi. C'est un peu le spy qui utilise le ninjutsu. Ça fait un peu penser un peu à Batman, vous voyez, il a un petit côté un peu Batman, je dirais, mais sans le déguisement, hein. Voilà, avec cette espèce d'épée magnifique. Donc il serait apparemment le prof, ce serait le sensei de Raven. Voilà, là, les combos qui pleuvent. Bref, hein, voilà, hein, ça se passe même de commentaires limite. Vous voyez les combos wallbound. Et là, bam bam, finish him. La super. Et le coup de schlass magnifique qui sort, qui charge pour le finish. Voilà. Le nouveau perso qui va être vraiment... Enfin, en fait, il est hyper mobile, d'après ce qu'on voit. Hein. Et on voit dans les combos, ce que je vois, c'est qu'il a l'air d'être hyper mobile. Vous voyez, donc ils disent, hein,
January, ah ouais, January, ouais, d'accord, 26. Donc, on a encore du temps, les amis. Hein, c'est en 2024, hein, tout ça que ça va se passer. Et ça va se passer sur Xbox Series S, PS5, bien sûr, et PC. Pour les aficionados, hein, de la baston, les amis. Ceux qui kiffent Tekken, nouveau personnage. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, alors là, la dernière chose que je voulais, dont je voulais vous parler, les amis, concernant Victor Chevalier, le nouveau personnage français. C'est compétitif, hein, qui a l'air d'être vraiment très 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 fort, qui apparemment, si je me trompe pas, c'est Raven, hein, donc le boss de ce perso. Vous avez je sais pas si on a entendu ce qu'il lui dit, sinon remettez la vidéo, vous allez voir ce qu'il lui dit. C'est un peu, ça fait un peu parole de prof à son élève. Et aussi la voix apparemment, j'ai l'impression que j'entends la voix de Vincent Cassel, dit l'acteur de la haine. Donc voilà, dites-moi si c'est vraiment lui qui double la voix. En tout cas, si c'est lui, c'est très, 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 très fort. Voilà. Bref, je m'arrête là, les amis. D'ici là, ne lâchez pas votre manette. On se revoit pour une toute nouvelle vidéo. Sachez que, je suis désolé, ça met un peu... Les tests mettent du temps parce que je les prépare. Je vais essayer de les préparer vraiment correctement. Voilà. D'ici là, comme je vous dis, ne lâchez pas votre manette. Prenez soin de vous et de votre mifa. C'était le casse pour le Looping Show Game. On se revoit très, très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bye, bye, bye. Ciao.